Le premier module qui porte sur ma communication s'intitule « Traité de Marrakech ». Et quand nous prenons le traité de Marrakech, l'intitulé « Réel Saint », le traité de Marrakech visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Vous voyez que c'est un titre un peu complexe. Et j'ai choisi de l'aborder en question. C'est vrai que cette communication n'était pas prévue pour être faite par moi. On aurait eu ici le conseiller aux activités de l'association Valentin Oeil de France, M. Marc Offrand, qui n'a pas pu venir. Il m'a demandé de le faire. Je crois que je suis en train de faire sa communication. Je suis consultant de l'ANAC depuis plus d'une vingtaine d'années. Et je crois que j'ai même travaillé particulièrement avec l'Union africaine des aveugles pendant tous ces mandats où M. Paul Tézanou était le président de l'Union africaine des aveugles. Et dans ce contexte, je continue à travailler avec lui. D'ailleurs, j'ai participé à l'élaboration des thèmes de référence de cette rencontre. Et aujourd'hui, il était question que je communique sur le protocole, le traité de Marrakech, qui en réalité vient révolutionner la chose pour les personnes déficientes visuelles. Parce que, dites-vous, il y a des milliers et des milliers, des tonnes de livres qui sont produits annuellement. Et les personnes qui ont une déficience visuelle ont de la peine à lire. Et il était question maintenant, après que le Cameroun ait ratifié ce traité, d'expliquer aux gens ce que le traité prévoit, notamment faciliter l'accès aux livres pour les personnes déficientes visuelles. Et par la création de mécanismes, soit gouvernementaux ou bien de la société civile, qui va passer le temps à traduire les livres. Et de ce fait, l'une des innovations de ce traité, c'est la levée de la question des droits d'auteur. Vous savez que la question des droits d'auteur était une réelle contrainte. Une réelle contrainte dans ce sens que vous ne pouviez pas traduire, faire du livre de quelqu'un, faire de l'œuvre de quelqu'un ce que vous vouliez sans son autorisation. Mais maintenant, le traité de Marrakech vient lever cette contrainte. Vient lever cette contrainte, mais la spécificité pour ne pas aussi pénaliser les auteurs qui ont quand même produit une œuvre et qui ont besoin de retomber de cette œuvre qu'ils ont produite. La spécificité, c'est que la traduction des documents dans le cadre du traité de Marrakech doit être faite dans un contexte bien précis, dont elle doit être faite par un organisme reconnu comme tel et qui doit le faire à certaines conditions. Et la première condition, c'est que les manuels traduits ne devront être mis à la disposition que des personnes bénéficiaires du traité, c'est-à-dire des personnes qui ont des problèmes à lire, les déficients visuels, les aveugles et toutes ces personnes qui ont peut-être des maladies qui leur empêchent de tenir un livre. La ratification à l'interne, ce n'est pas une question de droit international ou pour les Nations Unies, finalement, la ratification, elle compte que dès le dépôt des instruments. Donc pour l'instant, elle est considérée comme ratifiée à l'interne, mais le processus interne diffère d'État en État. En ce qui concerne l'applicabilité de la Convention pour les personnes sous tutelle, effectivement, la Convention s'applique à toutes les personnes handicapées, qu'elles soient sous tutelle ou non, et il y a aussi des dispositions qui prévoit que le tutelage soit utilisé de manière uniquement là où elle se justifie réellement. Tous les textes à partir des conventions, des déclarations universelles des droits de l'homme, des chartes africaines, de toutes les chartes, sont en vocation à être appliqués et à être invoqués par les personnes handicapées elles aussi. Mais à côté de ces textes, et ce n'est qu'à côté qu'on a aménagé des textes spécifiques pour les personnes handicapées, comme on vient de le voir, on a parlé de la convention, de la charte, des protocoles et autres. Et la convention dont on souhaite que l'État peut-être presse le pas pour déposer les instruments de ratification. Donc nous avons parlé de volume,
Nous avons parlé de, sur le plan international, les déclarations, les chartes et autres, nous n'allons pas y revenir, ça a été déjà dit. Sur le plan national, il y a la constitution elle-même et toutes les lois du Cameroun, aucune loi n'est exclusive des personnes handicapées. Mais à côté de toutes ces lois, il y a eu la loi de 83 qui portait protection des personnes handicapées, dont le décret d'application est sorti en 90. Et à partir de 2002, un chantier de révision du cadre de protection des personnes handicapées a été mis sur pied. Et ce chantier a abouti en 2010 sur la loi de 2010, dont le décret d'application est pris en 2018. Et je dois remercier aussi Paul Tézanon, le président Paul Tézanon, pour m'avoir associé à cet événement pour cette cible qui est une cible privilégiée pour moi. Et les personnes handicapées n'ont pas à me remercier. Je pense que je serai remercié le jour où je comprendrai que les personnes handicapées au Cameroun ont pu et arrivent à s'approprier tous les instruments juridiques qui protègent les droits humains dans le monde entier, au Cameroun, et notamment les instruments juridiques qui ont des dispositions particulières et spécifiques pour la protection et la promotion des droits des personnes handicapées au Cameroun. Il faut savoir que les personnes handicapées ont bénéficié, ont eu ce décret et ils doivent savoir en jouir, puisque des dispositions de ce décret, il ressort qu'il y a des dispositions particulières qui sont prises aussi bien pour l'éducation et la formation professionnelle pour des personnes handicapées que pour l'insertion socio-économique des personnes handicapées. Ce décret prévoit des dispositions favorables, des facilités fiscalo-douanières pour l'importation des matériaux qui servent à l'éducation des personnes handicapées et de tout outil qui doit servir à l'usage personnel de la personne handicapée. Donc ce décret, il y a des dispositions sur les dispenses ou alors dispenses de frais en matière de santé, c'est-à-dire des dispositions favorables sur les traitements en matière de santé pour personnes handicapées, que ce soit en laboratoire, que ce soit pour des consultations, aussi bien pour certains produits et certains équipements qui sont souvent hors de portée. Je vous ai dit que la plainte est adressée soit à un OPJ, soit au procureur de la République, soit à une autorité administrative. Ok ? Il faut le faire. Et généralement, il y a un accusé de réception. Il y a un accusé de réception. Il y a un ensemble de mécanismes. Ça, c'est pour répondre à la troisième question en même temps, qui vous permettent de contourner les malveillances des OPJ ou la léthargie des OPJ. Vous avez porté une plainte. Ce n'est pas la loi dit que l'OPJ recherche les indices éventuellement improbables et les traduit devant le procureur de la République. Encore faudrait-il que l'infraction soit flagrante. On n'est pas en France, ça dépend. Il faut savoir, autant vous demander la différence entre la pratique et la théorie, autant il faut savoir contextualiser. On n'a pas au Cameroun une domiciliation, un adressage qui sont les types européens, c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. C'est pas la faute des magistrats. Quand vous dites quelqu'un habite à Etoumiki, derrière la poubelle, en face du bar de Chantal. Non. Quelques-unes. D'accord, vous comprenez? Alors, l'OPJ, qui va le faire, il faut me remercier de faire le travail.
C'est un marabout. C'est un marabout, le procureur à qui vous venez. Monsieur le procureur, avait pas de double balle à Douala, derrière le grand moulin, à côté de la poubelle, habite X. Non, il faudrait que vous alliez montrer à l'OPJ où habite X pour qu'il puisse faire son travail. Maintenant, si la personne est en fuite et qu'elle fuit, ok, vous pouvez demander, et l'OPJ le fait en général, on va renvoyer le dossier au procureur de la République qui va faire émettre un mandat d'amener. À ce moment, le mandat d'amener sera exécuté et la personne amenée devant l'autorité en question. La bienveillance envers les personnes vivant avec un handicap, on a toujours la bienveillance. Parce que au-delà de l'être humain, au-delà du magistrat, nous sommes des humains, avec nos faiblesses, avec nos passions, avec nos émotions. Moi, c'est toujours avec beaucoup d'émotions que je reçois des gens qui ont des problèmes et qui ont un handicap. Tout le monde d'abord même, mais je mets plus particulièrement parce que c'est une question de sensibilité. Ok? Il y a toujours de la bienveillance. Ça, je peux vous le garantir. En tout cas, pour nous, message de justice, déjà étant en juridiction, c'est jamais le cas parce que ce sont des faits qui nous écœurent. Ce sont des faits qui nous écœurent. Lorsque quelqu'un n'a pas cette empathie, ok, nous, on est prêts à sanctionner. Aucune énergie n'est de trop dans le champ des droits humains des personnes handicapées. Tant que on n'a pas des médecins, tant qu'au Cameroun, un médecin ne peut pas consulter un sourd-muet sans interprète, ou sans interprète ou sans intermédiaire. Tant qu'un médecin au Cameroun ne peut pas consulter un aveugle sans intermédiaire. Tant qu'un aveugle au Cameroun ne peut pas accéder aux journaux écrits. Tant qu'un sourd-muet ne peut pas accéder aux journaux télévisés au Cameroun. Tant que les aveugles ou les personnes handicapées ne peuvent trouver leurs enseignants que dans ce qu'on appelle les enseignants spécialisés. Je resterai un peu sous ma soif. J'ai dit tantôt, on enseigne l'italien au Cameroun, on enseigne le chinois au Cameroun, on enseigne l'allemand, on enseigne l'anglais, on enseigne le grec, on enseigne le latin. Mais il y a des parents qui ont des enfants sourds-muets qui ne comprennent pas leur langage. Pourquoi ne pas enseigner le langage des signes, mettre ça comme un module transversal dans tous les enseignements au Cameroun? Si on avait introduit le braille, le langage des signes, à l'université ou dans les lycées, à l'université et dans les écoles de formation professionnelle, aujourd'hui, l'éducation inclusive ne serait plus un problème. Un enseignant enseignerait en signant et prononcerait bien les mots parce que les personnes sourdes-muettes ont ce qu'on appelle la lecture labiale. Aujourd'hui, vous voyez un enseignant qui dit « le grappeau ». Ça, il ne peut pas enseigner un sourd-muet parce que le sourd-muet va comprendre « G-R-A-P-O » ou « P-E-A-U ». C'est le drapeau pour permettre au sourd-muet de pouvoir lire sur les lèvres. Et s'il a appris le langage des signes, il parle en signant et ça permet aux élèves, aux apprenants qui sont déficients auditifs de le capter. Si le Cameroun Tribune pouvait faire un résumé de ses publications en braille, ça permettrait aux aveugles d'accéder à l'information au Cameroun. Si la CRTV et les autres chaînes pouvaient avoir d'interprètes en langage des signes, ça permettrait aux sourds-muets d'accéder aux informations télévisées. Quelles sont les dispositions prises au Cameroun, au moins pour que les sourds-muets accèdent au discours du chef de l'État? Rien. Sont-ils des Camerounais ou non? Face au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, vous avez deux pans. Il y a un pan sur la formation professionnelle, il y a un pan sur l'emploi. Lorsque les handicapés sont formés, il va falloir les insérer.
dans l'insertion trouve l'emploi. Sur les centres sur la formation professionnelle, vous avez plusieurs centres de formation professionnelle qui ont été créés et qui n'ont pas oublié cette catégorie de personnes. Il y a l'accès des handicapés. L'accès des handicapés est vraiment suivi. Un recrutement par la troisième voie, à savoir aménager le concours à compétences égales, puisqu'on parle bien de compétences et non pas de pitié. Aménager le concours pour les personnes en situation de handicap avec une période d'essai et l'adaptation de poste. Je me dis mordicus que l'État a un rôle à jouer de façon très concrète. Au niveau de la formation professionnelle, ne pensez pas que c'est à l'État de tout vous donner. Parce que nous aussi là-bas, au niveau de la formation professionnelle, on n'a pas tout sur un plateau. Hein. Moi, quand j'ai fait mes études, il n'y avait rien. J'étais la première aveugle à être introduite, à accéder à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Il n'y avait rien. Hein. J'ai débarqué à la fac avec ma tablette. Et je me suis battue seule. Je prenais mes notes seule. J'ai cherché des personnes autour de moi pour m'aider à lire tout ce qui était les livres, etc., les polycopiés. Donc, concernant la formation professionnelle, sachez que si vous vous engagez à faire des études, il faudra y mettre beaucoup du vôtre. Par contre, là où l'État doit jouer un rôle prépondérant, c'est au niveau de l'emploi. Par contre, au niveau de la formation, je vous assure qu'il faut vous débrouiller. L'accessibilité, on en parle toujours, nous en France aussi. Il y a beaucoup d'endroits qui ne sont pas accessibles. Alors moi aujourd'hui, je ne parle plus tellement d'accessibilité parce qu'on ne va pas refaire les bâtiments. On ne va pas détruire certains bâtiments qui venaient d'être faits. Ce que je me dis juste, c'est que quand on est non-voyant, pouvoir avoir un guide, voilà. Quand on est en fauteuil roulant, pouvoir avoir quelqu'un qui nous aide. Pour moi, l'aide humaine aussi est importante, au lieu de tout le temps dire « il faut que ce soit accessible, il faut que ce soit accessible ». Eh bien, au lieu de mettre cet argent-là pour casser, reconstruire dans combien de temps, demandons des auxiliaires de vie scolaire, comme ce que nous avons en France. Ce sont des personnes qui accompagnent les personnes handicapées en milieu scolaire et au niveau de la vie professionnelle, des auxiliaires de vie professionnelle qui vont vous aider. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. 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 Nous sommes fatigués. On a eu une longue journée. Est-ce qu'on peut s'échauffer un peu? On peut s'étirer un peu? Parce que là... Vous prenez une minute pour vous échauffer un peu, buvez un peu d'eau. Oui. Et on va aller un peu rapidement. Hello. Hi. Can we begin, please? Yes. Okay. So, Elections Cameroon for an inclusive electoral process. As we all know, Elections Cameroon is the body that takes care or that organizes elections in Cameroon. And I think it would not be fair for me to begin this exposé without telling you how Elections Cameroon functions. We function in two bodies, which is the Electoral Board, which is headed by a president, and the Directorate General of Elections, which is headed by the Director General of Elections, Dr. Eric Esose. I want to thank you, first of all, for participating, for being part of this brilliant workshop that just took place, that was organized by ANAC.
These are the type of workshops that Elections Cameroon encourages all through the year, not only wait when election periods are there, but to build capacity. So we are very happy of such an initiative coming from a civil society organization like ANAC. And Elections Cameroon is very happy because that has been our struggle over the years to make sure that the electoral process is being inclusive. So we will pray that ANAC should organize much ceremonies or seminars like this one so as to make the person living with disabilities to really understand their rights and know exactly what they are supposed to do in the society. Thank you. Et de permettre à la commission de faire cette présentation rapidement. Pour la faire, je suis Madame Vondor Emilienne, chargée de l'unité de la promotion à la Commission des droits de l'homme du Cameroun. La commission insiste sur la nécessité de l'appropriation par tous de la notion de l'approche du handicap basée sur les droits de l'homme. Dans ce sens, en effet, le handicap n'est pas intrinsèque à la nature de la personne qui le vit, mais aux difficultés d'accessibilité, accessibilité aux bâtiments, à la voirie, au transport, accessibilité aux services d'information, de communication et autres services, y compris les services électroniques et les services d'urgence. Je crois que Maître Chijou a été assez exhaustif dans la présentation et dans les certains cas qui constituent des cas vécus et qu'il a voulu partager avec vous. Dans le cadre de la promotion, nous encourageons toutes les personnes vivant avec un handicap de se mettre dans le cadre des plateformes ou être membre des organisations de la société civile qui peuvent mieux porter leurs préoccupations. Jusqu'à ce jour, nous avons 12 organisations de la société civile qui sont affiliées à la Commission des droits de l'homme du Cameroun et qui promeut d'une façon spécifique les droits des personnes vivant avec le handicap visuel. Je crois que c'est déjà beaucoup. Et si nous avons 19 comme ça, c'est sur dans cette région du territoire national. Vous pouvez saisir la commission qui, lorsqu'elle est saisie, peut vous donner une assistance judiciaire et vous accompagner dans le cadre de ces missions d'Amicus Curiae. Amicus Curiae veut dire ami de la cour. Mais maintenant, il faudrait faire une différence dans ce sens-là. La commission ne peut pas faire une interférence avec d'autres structures qui ont également des missions bien particulières dans la justice. Alors la commission ne peut pas jouer le rôle d'avocat. Parce que qui dit assistant judiciaire de la commission, qui dit amicus curiae de la commission, ami de la cour, voudrait dire que la commission va partir et poser le problème pour que la loi soit établie et que la loi soit respectée. Et ce qui est sûr, c'est que dans l'établissement de la loi ou de la vérité, la décision du juge ira en faveur ou en défaveur d'une autre personne. Et ça pourrait également dire la personne qui estime que son droit a été violé, lorsqu'on va appliquer la loi, elle pourrait être même la mise en la personne qui est auteur de violation. Donc c'est pour dire que ce n'est pas parce qu'on a eu à porter plainte ou à estimer que son allégation est violée qu'à tout prix on aura raison.